Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le rôle des TIC dans le développement de l'industrie locale et l'innovation urbaine. Le thème général porte sur le rôle des TIC dans le développement de l'industrie locale et l'innovation urbaine. Je vais commencer par l'introduction. Ce que vous voyez à l'écran est le contenu que nous avons abordé lors de la réunion à distance du 9 novembre dernier. Il s'agissait d'une réunion organisée par le département d'intelligence du G20, membre du réseau mondial du projet Smart City, ville intelligente, dont je fais partie. Il y avait des points très importants à noter pendant cette réunion à distance. Tout d'abord, les personnes qui ont participé à cette réunion étaient des directeurs généraux qui se chargent de l'élaboration concrète des villes intelligentes dans chaque ville. Pendant la réunion, nous avons discuté de la manière dont les villes intelligentes peuvent être utilisées en tant qu'outil innovant pour créer un impact positif dans les villes. En fait, sur le fond, la ville intelligente mettait vraiment l'accent sur les domaines rendant la ville très astucieuse et sur les domaines techniques. Mais plutôt que de nous concentrer sur les domaines techniques, nous voulons maintenant considérer la ville intelligente comme un outil d'innovation qui rend la ville très positive. Une autre chose à noter, dans cette diapositive, c'est que toutes les personnes qui se sont rassemblées ici, y compris à Dégoût, étaient à Londres, à Amsterdam, à Stockholm, à New York et dans de nombreuses autres villes du monde. Autrement dit, des personnes situées dans des fuseaux horaires différents se sont tous retrouvées dans le même espace. Ceci est très suggestif, mais je pense que nous, humains, faisons spécifiquement ce que nous avons longtemps considéré comme la simultanéité du non-simultané. Je pense que nous vivons dans une époque où la simultanéité du non-simultané est fortement soulignée et renforcée. un célèbre journaliste américain a enregistré la voix de son père de son vivant. Avant que son père ne décède, lorsqu'il était dans son lit de malade, ce journaliste a enregistré les paroles que son père prononçait souvent et a créé un robot logiciel à travers un logiciel de Deep Learning. Il a ainsi nommé ce robot logiciel DatBot. Depuis la disparition de son père, il continue de discuter avec lui, et ce, tous les jours. Son père est décédé. Mais une partie de lui demeure et il nous montre que ces choses sont dans le même espace. En sa terre d'évolution, nous pouvons constater qu'il se passe beaucoup de choses au-delà du temps et de l'espace, des choses que nous n'avons jamais imaginées auparavant et qui sont en train de se réaliser grâce au TIC. Nous allons donc tout d'abord nous pencher sur les domaines liés à l'avenir. D'après vous, comment pensez-vous que l'avenir se présentera Pensez-vous que c'est nous qui créerons notre propre avenir ou bien pensez-vous que l'avenir est déjà écrit Voici William Gibson. Cet homme est très connu pour son roman Neuromancier. C'est une personne que Steve Jobs admirait grandement. Il a beaucoup parlé de l'avenir dystopique. Voici ce qu'il a dit. Le futur est déjà là, simplement il n'est pas reparti de manière uniforme. Cela signifie qu'il y a déjà beaucoup d'indices sur le futur autour de nous. C'est seulement que nous ne nous en rendons pas compte, mais je pense que cela sera bientôt réparti de manière uniforme et c'est ainsi que nous évoluerons vers le futur que nous avons imaginé. Alors la question est, à quoi ressemblera notre avenir Je pense qu'il est nécessaire d'examiner les différentes données qui se rapportent à cette question. Dans un premier temps, nous allons porter notre attention sur les technologies de rupture. Nous pouvons aisément trouver des technologies de rupture autour de nous en ce moment même. Regardons cette photo. Cette photo Montre la 5e Avenue de New York, l'avenue la plus spectaculaire de New York dans les années 1900. Comme vous pouvez le voir sur cette route, le seul moyen de transport sur la 5e Avenue de New York était le véhicule hippomobile. La plupart étaient des véhicules hippomobiles et c'est difficile de trouver, ne serait-ce qu'une voiture sur la route. Mais en 1913, si vous regardez la photo d'à côté, vous pouvez voir un énorme changement. Les véhicules hippomobiles ont quasiment disparu. Et les voitures remplissent désormais toute la zone. Il n'y a plus qu'une ou deux hippomobiles qui se démarquent. La technologie qui inventait la voiture, ayant remplacé en 13 ans les hippomobiles qui étaient le seul moyen de transport des humains pendant 10 000 ans, remplaçait, c'est bien ça, la technologie de rupture. La technologie de rupture. C'est la technologie qui expulse complètement les technologies existantes du marché avec son apparition. Et de nos jours, les technologies de rupture apparaissent de manière plus fréquente et son cycle devient plus rapide. Ça, c'est le Forum économique mondial, le groupe le plus conservateur au monde. C'est le rapport du Forum économique mondial qui prévoit en 2016 les technologies de rupture qui vont venir jusqu'aux années 2030. Si vous regardez ici, ce rapport nous dit qu'en 2023, les technologies dont on parle souvent apparaîtront, telles que blockchain, superordinateurs portables et les technologies. Et ce rapport dit également qu'en 2025, on pourra avoir l'impression 3D pour imprimer et produire. Mais ce ne sera pas pour imprimer par exemple une brique. Le niveau d'impression sera très haut au point de pouvoir imprimer des vêtements, des provisions et même des aliments en 3D. Ce rapport a également prévenu qu'en 2026, le véhicule autonome sur lequel on travaille beaucoup occupera plus de 10% du marché mondial. Bitcoin est très à la mode en ce moment autant en Corée que dans le monde entier. Ce rapport a prévenu que Bitcoin atteindra un point de basculement en occupant 10% du marché vers les années 2027. C'est donc à travers toutes ces prévisions que nous pourrons remarquer les technologies de rupture. Par exemple, on prévient qu'il y aura une ville sans feu tricolore avec plus de 50 000 habitants. C'est-à-dire, on prévient que ce sera une ville avec le système qui contrôle la circulation sur la route dans les villes sans feu tricolore avec l'aide de la communication interactive parmi toutes les voitures sur la route. On prévient également l'arrivée du pharmacien robotique et l'intelligence artificielle s'occupera de 80% des consultations médicales. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les véhicules autonomes occuperont 10% du marché automobile et toutes les voitures neuves seront électriques en 2030. Le point de bascule des technologies a un impact énorme sur la société. Les technologies scientifiques affectent tous les domaines industriels de manière positive et négative. On peut être le leader du changement, mais si on n'arrive pas à réagir contre le changement, on peut échouer tout de suite. Beaucoup d'entreprises qui ont réussi à changer, telles que Apple, Google ou encore Alibaba, sont les leaders du changement et ils sont toujours dans le marché. En revanche, on peut constater que les entreprises qui avaient une faible réaction contre le changement se sont perdus et restent désormais dans l'histoire. Il y a plusieurs points de bascule prévus en 2025. 10% de la population portant des vêtements connectés à Internet et le foie fabriqué par l'impression 3D sera transplanté pour la première fois. Donc voilà, ce sont des points de bascule, des technologies de rupture qui sont prévues pour nous. Nous devons donc comprendre les technologies de TIC en tenant compte de ces technologies de rupture. Ces technologies de rupture sont la base importante de la quatrième révolution industrielle, dont on parle très souvent de nos jours. Nous allons maintenant en savoir plus. Qu'est-ce que la quatrième révolution industrielle On peut dire que la quatrième révolution industrielle, ce sont les technologies de TIC et particulièrement ICBM. Cela peut être défini comme une révolution majeure dans l'histoire des hommes, qui rend l'impossible possible, car toutes les technologies et tous les objets existants convergeront par l'intermédiaire de IDO, Cloud, Big Data, Mobile et LIA. Il y a plusieurs définitions différentes de la quatrième révolution industrielle. Comme vous pouvez voir dans cette diapositive, il y a les définitions différentes faites par le Wikipédia, FEM ou le dictionnaire économique. Il y en a qui pensent que la quatrième révolution industrielle est basée sur la troisième révolution industrielle, mais élargie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les technologies de TIC existantes convergent avec la technologie de production de data. De l'espace virtuel et du service Internet, et elle est maintenant considérée comme une révolution technologique qui automatise notre société de manière générale à travers les technologies. L'exemple représentatif de la quatrième révolution industrielle, c'est les usines de la marque Adidas. Les usines de Adidas sont retirées de Chine en 2016. Mais en 2008, Adidas a installé les usines en Chine pour profiter de main-d'œuvre à bas coût. Parce que le coût à payer pour le stock et les mains-d'œuvre en Allemagne était inabordable. C'est donc pour cette raison qu'Adidas a décidé d'installer les usines en Chine. Dans les usines de Chine, 205 personnels fabriquaient 500 000 paires de chaussures par an et les stockaient. Toutefois, Adidas a encore retiré ses usines de Chine en 2016 pour retourner en Allemagne. Dans les usines d'Adidas en Allemagne qui s'appelle Speed Factory, ce sont les robots qui découpent le tissu à la place des hommes, produisent des accessoires à l'aide d'imprimantes 3D et les cousent ensemble. Dans cette usine, il y a 10 personnels. Et ces 10 personnes fabriquent la même quantité dans les usines intelligentes. Comment est-ce possible C'est parce que la production est mise en marche uniquement quand le client a passé sa commande, ce qui baisse brusquement le coût de stockage pour compenser les autres coûts. Alors, une fois que le client a passé sa commande, la chaîne de production de l'usine connectée à Internet est mise en marche en 24 heures. Les produits sont ensuite livrés au client par plusieurs systèmes de livraison. C'est ainsi qu'ils peuvent réduire le lead time de stockage. En ce moment, les usines d'Adidas sont réinstallées en Chine. Parce qu'ils veulent essayer la même méthode en Chine. Donc maintenant, ils sont retournés en Chine. Donc c'était ça, l'exemple représentatif de la quatrième révolution industrielle basé sur les TIC dont on parle maintenant. Impact de la quatrième révolution industrielle. Le changement de la production qu'on a découvert tout à l'heure s'appelle reshoring. On a donc constaté que les usines ont été retirées de Chine en 2010 et installées en Allemagne pour que 10 personnes fabrique 500 000 paires de chaussures, la quantité que 600 personnes fabriquaient en Chine. Nous allons maintenant découvrir la différence entre la quatrième révolution industrielle et celle de 1.0, 2.0 et 3.0. On distingue chaque révolution industrielle par de grands changements technologiques et industriels ou par des points d'inflexion de développement. L'industrie 1.0 peut être définie par l'invention de la machine à vapeur en 1984. Celle-là où la production et la fabrication par les humains ont changé en production par machine. On est passé de la production par machine à la production de masse lors de l'industrie 2.0 avec l'utilisation de l'énergie électrique. L'année 1970 est également la période où la production de masse était réalisée grâce à l'utilisation de l'énergie électrique. À cette époque-là, il y avait également beaucoup de production et de fabrication avec l'arrivée des tapis roulants qui permettaient de réaliser la division du travail. Après l'année 1969 et les années 70, l'industrie 3.0 est l'automatisation de la production par l'adoption de l'ordinateur. Lors de l'industrie 4.0, on optimise la production en se basant sur les données produites par l'automatisation et la production par ordinateur de l'industrie 3.0. De plus, on relie les objets et les appareils par l'IDO. On adopte également l'IA en se basant sur les données pour innover l'industrie. Donc, cette révolution industrielle est l'industrie 4.0. Quelle est la plus grande différence entre la quatrième révolution industrielle et celle de 1.0, 2.0 et 3.0 Durant les industries 1.0, 2.0 et 3.0, le taux d'évolution par rapport à l'investissement de capitaux et de main-d'œuvre croît de manière linéaire, tandis que durant l'industrie 4.0, il croît de manière exponentielle. Et ça, c'est l'un des caractéristiques importants de la quatrième révolution industrielle. Par exemple, on devait payer 10 000 dollars pour le stockage dans la mémoire il y a 20 ans, alors qu'aujourd'hui, on peut produire la même mémoire au coût de 0,03$. Et la capacité d'unité centrale de traitement d'un smartphone d'aujourd'hui est équivalente à 5 000 ordinateurs de bureau d'il y a 30 ans. Autant dire qu'un smartphone qu'on a sur la main a la même capacité que 5000 ordinateurs. Le niveau d'intégration des puces d'ordinateurs a fortement augmenté aussi. Comme vous voyez bien, en 2010, il y avait 30 milliards de transistors, cellules, mais en 2040, ce sera multiplié par 1 million. Avec tous ces indices, on peut donc bien comprendre que la quatrième révolution industrielle nous apporte un changement. En prenant l'exemple du séquençage du génome humain, il nous fallait environ 50 ans pour l'analyser en 2010. Et il fallait également 15 milliards de dollars. En revanche, aujourd'hui on est dans une ère où 1000 dollars est suffisant pour bien analyser le séquençage du génome humain en quelques heures. Il y a deux contextes technologiques qui ont causé la quatrième révolution industrielle. C'est la convergence, l'autre c'est l'intelligence artificielle. Quand il s'agit de la convergence, il y en a deux types. L'une est la convergence entre les technologies et l'autre c'est la convergence entre le cyber et la physique. Avant, les technologies numériques, physiques et biologiques se sont développées respectivement. Mais aujourd'hui, elles ont convergé et elles ont été le déclencheur de la quatrième révolution industrielle. Particulièrement, la technologie numérique s'est unie avec l'analogue, ce qui fait Digilogue. Et pour online et offline, ça fait O2O. Quand le virtuel croise la réalité, ça fait la réalité augmentée. C'est donc dans ce contexte de convergence que la quatrième révolution industrielle se produit. Avec le développement des technologies de l'IA basées sur les données, L'ordinateur qui dépasse l'humain au niveau du calcul, avec sa technologie de deep learning, est inventé. L'IA s'occupe maintenant des tâches répétitives ou même non répétitives que les humains devaient faire auparavant. La quatrième révolution industrielle améliore la productivité, baisse le prix de distribution et renforce la compétitivité industrielle. Surtout grâce aux technologies, il est maintenant possible de raccourcir le temps, améliorer la qualité du produit et optimiser des produits ou des services selon les goûts personnels. Quand il s'agit du coût, avant, c'était de gagner de la compétitivité en produisant dans les pays où les mains-d'œuvre coûtaient peu, alors qu'aujourd'hui, on réduit le coût de main-d'œuvre et de distribution grâce aux robots dans toutes les étapes de production pour arriver jusqu'au client. Maintenant, on va découvrir les principales technologies de la quatrième révolution industrielle. Mais avant de les découvrir, je vous ai dit tout à l'heure que les technologies de l'avenir sont déjà autour de nous pour nous envoyer des signaux. Monsieur Lee Jong-moon était un peintre très connu en Corée. Il est maintenant décédé, mais il prévoyait en 1965 la vie de l'année 2000. Regardez cette image. Vous verrez bien que sa prévision est incroyablement juste. C'était son imagination et on y trouve des drones, appareils électroniques portables, clés USB, véhicules autonomes ou encore le tube à vide pour se déplacer. Donc on peut constater que toutes ces technologies ont été déjà prévenues en 1965, c'est-à-dire il y a 50 ans. Les technologies liées à la quatrième révolution industrielle autour de nous se développent, donc de manière détaillée et unitaire. Toutefois, la convergence de ces technologies se fait de manière très vaste, sans barrière de domaine et de technologie. On peut donc dire que la quatrième révolution industrielle se réalise par la convergence. La première convergence, c'est la convergence entre humains et machines. D'où la naissance d'un robot IA. Dans le domaine robotique, il y a deux types de robots en général. Robots. Si on constate le cas du Japon, notre voisin, ce pays continue à développer l'industrie robotique dans le but qu'un foyer possède un robot à l'horizon 2040. Il y a également la convergence entre réalité et virtuelle. À travers la réalité augmentée ou virtuelle, on peut désormais résoudre des problèmes de manière inattendue. On peut, par exemple, réparer des pièces détachées ou jouer aux jeux vidéo. Tout cela est possible et nous conduit actuellement au métavers où toutes ces technologies sont liées au système économique. Il y a également la convergence entre ingénierie et biologie. Les technologies comme bioimpression ou biocéramique qui nous permettent d'inventer des puces insérables dans le corps humain s'évoluent. Il y a beaucoup d'exemples de convergence conduisant l'industrie 4.0. La technologie physique, numérique, biologique, sont des domaines qui convergent pour créer la nouveauté. Transport autonome, impression 3D ou robotique pour la technologie physique, l'IDO, la big data, l'IA pour la numérique et biologique de synthèse, médecine intelligente pour la biologique, ce sont les technologies qui créent de nouvelles industries ainsi que de nouvelles entreprises en se convergeant. Et l'industrie et les technologies du jumeau numérique telles que l'impression des tissus du corps humain ou système cyberphysique, soit CPS, réapparaissent. Nous allons donc pouvoir voir réellement ces technologies de convergence. En effet, on constate déjà un grand développement dans le domaine du véhicule électrique, du drone ou encore de la robotique. Si vous allez sur les liens dessus, vous pouvez regarder les vidéos qui montrent leur forme actuelle en plein développement. En tant que technologie numérique orientant la quatrième révolution industrielle, l'IDO, le cloud, le big data, le mobile et l'IA sont les cinq technologies représentatives. Il y a aussi les technologies de blockchain et de bitcoin qui créent l'économie collaborative, par exemple. Uber, Facebook, YouTube, Airbnb et Alibaba sont des plateformes dans lesquelles nous partageons nos propres données, capitaux et compétences individuelles. Cela nous montre que les diverses industries qui renforcent la valeur du marché se créent. L'économie de plateforme est l'exemple principal. Concernant les technologies biologiques, génétiques, biologie de synthèse, génie génétique et bio-impression sont les technologies orientant l'industrie 4.0. Vous pouvez en savoir plus sur les liens de source. Alors, comment se déroulera la quatrième révolution industrielle dans l'avenir Tout d'abord, il y aura des robots intelligents. Un robot intelligent sera un robot émotif qui sera banalisé dans notre vie quotidienne, en s'occupant des tâches ménagères, de la cuisine, des enfants ou des malades. Les produits concernés se sont déployés déjà au marché. On peut également constater qu'avec la quatrième révolution industrielle et sa technologie, appareils à insérer dans le corps, un plan dentaire intelligent ou encore yeux bioniques sont inventés. Quand il s'agit de la fabrication, les usines seront intelligentes pour optimiser la production afin d'anticiper des demandes, de maximiser l'efficacité et éliminer des articles défectueux. Le cas d'Adidas qu'on a vu tout à l'heure est un exemple représentatif des usines intelligentes. Il y aura également des villes intelligentes auxquelles les technologies de l'industrie 4.0 seront appliquées afin de résoudre les problèmes de sécurité, d'énergie et de transport et de rendre la ville durable. Et avec blockchain, l'industrie 4.0 rassurera la crédibilité et la sécurité dans tous les services financiers en développant ces services. Beaucoup de personnes prévoient qu'après l'année 2027, les technologies de blockchain seront banalisées. Grâce aux technologies évoluées, on pourra également analyser des caractéristiques génétiques pour le traitement personnalisé. De plus, tous les appareils électriques à la maison seront connectés pour que les humains puissent les contrôler de manière autonome et se libérer des tâches ménagères. Avec l'impression 3D, tout le monde sera capable de fabriquer tous les objets souhaités. Si j'ai déjà dit tous les objets souhaités, ça signifie beaucoup de mots vêtements, aliments et etc. L'impression 3D sera appliquée pour fabriquer tous les objets. En parlant des vêtements, il y aura des vêtements connectés qui permettent la télécommunication avec l'aide de la technologie Wearable appliquée aux vêtements. Ce genre de vêtements nous fera vivre une expérience surréaliste en plus de la réalité virtuelle et augmentée. Le véhicule autonome réalisera la démocratisation des bus et taxis autonomes, ainsi que la logistique robotique en toute sécurité et sans accident. Maintenant, avant de finir, nous allons découvrir comment la quatrième révolution industrielle s'évolue au niveau technologique. On peut constater que la quatrième révolution industrielle est appliquée aux technologies de TIC en réel et entraîne des diverses innovations. Mais avant de mieux comprendre la quatrième révolution industrielle, il faut d'abord la considérer en parallèle avec l'industrie de fabrication, du numérique, de la chaîne de consommation et du courant économique. La révolution du numérique a entraîné la révolution de la fabrication. Elle a également rendu la chaîne de consommation et celle de distribution plus innovante. La révolution du numérique réalisera une fabrication intelligente avec les usines intelligentes, CPS ou encore l'impression 3D. La fabrication flexible consiste à optimiser les commandes et les fabrications pour qu'elles soient plus efficaces. La fabrication flexible favorise la circulation de marchandises et baisse considérablement le coût du stockage ce qui oriente la révolution de la fabrication. La révolution du numérique a un impact sur la chaîne de consommation et de distribution et change la méthode de transaction et de communication. Les réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui, les prosumeurs qui sont les consommateurs participants à la production et le service O2O, qui est combinaison des termes en ligne et hors ligne, dirigent l'économie de partage et de plateforme de manière active. Maintenant, je vais vous expliquer la structure des liens entre les technologies de la quatrième révolution industrielle. Dans cette diapositive, on peut observer les détails des liens entre les technologies de la quatrième révolution industrielle appliquées au réel. On peut donc savoir comment les diverses technologies du numérique réalisées lors de la quatrième révolution industrielle s'affectent l'une l'autre. D'abord, en première étape, on peut voir les liens entre les humains, entre les objets ou encore entre l'humain et l'objet noués par l'IDO ou l'IoI. Grâce à ces liens, des datas variés se créent et ces datas seront stockées. Le stockage des datas se fait par la technologie numérique, plus précisément celle de cloud. Une fois que chaque data a un certain volume suffisamment grand, cela devient Big Data. Big Data sera pré-traité. Pour être traité et analysé par l'algorithme de l'IA. Il existe de divers algorithmes de l'IA. Et celui qui est représentatif, c'est Deep Learning. En plus de Deep Learning, de nombreux algorithmes de l'IA sont en développement. Les data analysées par l'algorithme de l'IA, tels que Deep Learning, sont ensuite pratiquement reliées aux services optimisés dans les domaines variés. D'abord, les datas des utilisateurs seront utilisées pour optimiser et personnaliser les transactions ou réduire le temps de distribution ou le lead time. Dans le domaine de fabrication, les datas peuvent être utilisées pour automatiser les procédés ou baisser le coût de fabrication et de stockage. Les datas indiquent l'itinéraire optimal et offrent les services optimisés aux conducteurs du véhicule autonome en considérant leurs habitudes personnelles au volant. Les datas peuvent être également utilisées dans le métavers ou dans la réalité virtuelle, qui favorise le domaine de divertissement ou encore les activités économiques. Là, nous devons prêter le plus d'attention sur les datas. Ce qui est le plus important dans l'industrie 4.0, c'est le courant des datas. Les datas sont produites non seulement par l'appareil de l'IDEO, mais aussi par la connexion entre les humains, entre l'humain et l'objet, ou encore entre l'objet et l'humain. Les datas produites seront collectées tout de suite. Elles seront ensuite stockées quelque part pour être prétraitées, triées et enfin analysées afin de créer un nouveau service. Cette procédure joue un rôle essentiel dans la quatrième révolution industrielle. C'est ainsi que nous avons appris le changement dans la réalité, l'avenir et les technologies qui constituent l'avenir la technologie numérique, physique et biologique. Nous avons également appris les interactions entre les technologies de quatrième révolution industrielle. Merci beaucoup.